Une triste nouvelle pour la communauté camerounaise. Une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis, Tatiana, et son époux se sont rendus au Cameroun le 23 décembre 2021 pour célébrer leur union, donc leur mariage, avec la famille au Cameroun. 11 jours plus tard, elle a rendu l'âme. Donc on parle de la mort. Elle est décédée. Cause de la mort, c'est l'empoisonnement, car elle a commencé par vomir du sang jusqu'à ce que la mort s'en suive. Elle est décédée le 3 janvier 2022. Et mon Dieu, les amis, faisons très attention, très attention quand nous allons au bled. En Afrique, l'empoisonnement est à la mode, comme on dit, en vogue. Au Cameroun, surtout, on tue sans pitié, surtout nos enfants. Faisons très attention. Donc, bazo boma. On tue le kwande tikaka. Bayo ki yena ba million, on tike li bangote mouté ma passe ou fana en États-Unis, bango bazara en Afrique, ou fana en France, talande kwa mosi, mosi kitoko. Elle est décédée. Innocente qu'elle était, elle ne savait rien. Elle est partie, Tatiana. Et son époux est resté. 11 jours après leur mariage, elle est partie. Ce n'est pas encore fini. Restez jusqu'à la fin pour regarder une autre vidéo de ce monsieur camerounais qui est aussi décédé. Vous allez le savoir. Restez jusqu'à la fin. Parce que c'est triste pour la communauté Nabisso, africain. Surtout, Bamboka Nabisso, Afrique. Trop de jalousie. C'est un Camerounais, ce monsieur que vous voyez. C'est monsieur sans Camerounais. Il résidait aux États-Unis. Il a été empoisonné pendant ses vacances en Afrique, au Cameroun. Il est venu en vacances avec sa fille pour organiser une bouffe avec ses amis, avec sa famille. Et après quelques jours, il a trouvé la mort. À cause de sa mort, il a été empoisonné. Là, vous voyez ce monsieur empoisonné à Koufi parce que il est poison. Aujourd'hui, en Afrique, on tue les gens. La poison. Au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, Cameroun, Côte d'Ivoire, on tue comme pas possible. Alors, vous avez Mawa. Tu habites, vous va faire confiance à qui? Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La mort de Tatiana et de ce monsieur. Tous deux sont des Camerounais. Surtout au Cameroun, on tue les gens comme pas possible. Elle est décédée. Après 11 jours, après son mariage, au bled, empoisonné par son entourage. Et ce monsieur même parti pour rendre visite à sa famille et rencontrer son entourage, la boumier, la poison. Voilà, je vous aime. Si c'est pour vous la première fois, n'hésitez pas de vous abonner ici. Merci beaucoup et restez branchés pour ne rien rater de nos vidéos. Merci beaucoup. Voilà. Amen. Voilà, il est décédé. Cause, c'est l'empoisonnement par son entourage. Il est parti en Afrique. Maintenant, il a organisé quand même un petit show avec ses amis, ses connaissances. On l'a empoisonné. Les gens sont devenus trop méchants. On doit faire attention. C'est pas facile. Les gens ont mauvais cœur, les gens. On l'a empoisonné, il est mort.